one, I'm number two. If I'm not the one, I'm uncomfortable. See the competition I've been running through. Leveled up, I only see you in the ring. Yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin'. Yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', been ballin'. I'm winning, gift buckets from the court side to the nosebleeds, yeah, they love it. Yo les petits potes, on est parti pour un nouvel épisode de Soum Soum, j'allais dire undercover, de Soum Soum Business Class, les gars. On est toujours dimanche pour moi, on est dimanche 19 mai, j'enregistre plusieurs épisodes parce que j'ai grave envie de jouer, mais laisse tomber. Mais en fait, j'ai envie de conduire. Ouais, ouais, j'ai envie de conduire, frérot. On m'a pété ma caisse. Ou c'est comment? Non, bah j'ai rien à la mutuelle. J'ai combien déjà en argent? 1 million 3, ouais, les gars, il faudrait que je fasse l'agence. J'aimerais avoir une agence, donc il faut que je trouve encore des sous. Ah bah je sais. Je fais le chrono de AO. Que nenni. Chrono de AO. Par contre, les gars, je sais pas si je vais vous montrer le contrat de Dr. Dre, les gars. J'hésite à le faire hors vidéo, les gars. T'sais, à prendre une heure, à le torcher et voilà, et à vous dire voilà. Parce que de toute façon, je vais retourner à 2 millions. Ça va me rembourser l'achat de l'agence. Parce que je me vois pas faire. Ça prend combien? Ça prend de temps? Ça prend une heure et demie. Donc, un épisode et demi full contrat. J'ai pas envie de refaire deux épisodes. Moi, je préfère faire du mode libre. Je réfléchis. Allez, le chrono, let's go. Désolé les gars, j'ai remis le point vert dans mes vidéos en bas à droite, mais moi, comme ça, moi je suis sûr que ça enregistre. Que vous savez, ça m'est déjà arrivé de croire que j'enregistrais, et puis l'épisode, en fait, il n'enregistre pas. Du coup, je me retrouve dans la déception la plus totale. Alors, faut aller où, frérot? Ok. Combien de temps? 2002, ça devrait le faire. Mais je pense que c'est peut-être plus sympa de partir par là. Vas-y, let's go. Ah bah j'ai voulu klaxonner mais bon, rip. Ah, il me le faut ce chrono, il me le faut si je veux l'agence. L'agence qui va me permettre d'avoir le coffre, les contrats, les appels téléphoniques, même si je les aime pas moi les appels téléphoniques. Je suis une chèvre en fait en appel téléphonique les gars, c'est ça la vérité. Ah, comment est bourre la Briozzo comparé à mes voitures business. C'est un truc de fou. Si c'était moi, je la vendrais bien, les gars. Mais si je la vends après, je perds l'amélioration de AO que j'ai eu gratuite. Donc c'est vraiment dommage. Je pourrais plus effectuer les chronos. Je suis très concentré, les gars. Je suis à fond dedans. Aucun accident. Bon, d'un côté, j'ai pas énormément de trafic. C'est assez facile de passer entre les véhicules. Donc ça va. Oh là, lui, il arrive pleine balle. Oh le bâtard. Oh non. Oh non, le chrono était easy dans la poche et là, ça se trouve, je vais pas l'avoir. Oh non, je vais pas l'avoir. Non, frérot. Oh non, putain, j'ai le seum. Putain de merde, putain de merde. En plus, je l'ai repassé, les gars. Enfin, ce que je veux dire, c'est que j'ai franchi la ligne, donc je suis obligé de recommencer. Et putain, bon bah. Oublie le chrono pour aujourd'hui, frérot. Ah non, non, les sauts de Junk Energy, c'est mort. Ah, je suis dégoûté. Non, je suis deg. Je suis deg, bah, c'est pas grave, on va se retaper. Il y en a que pour 2 minutes, hein, mais on va se retaper le chemin inverse. J'ai quoi en animaux? Si j'ai un caniche, je le fais pas, parce que caniche. Vache, cochon, poule. Oh, c'est facile. Vache, cochon, poule, c'est super facile, frérot. Vas-y, on va faire ça, ça va nous détendre un peu. Lui, il veut une dédicace. Bon, rip. Vas-y, on va faire vache, cochon, poule. Il suffit d'aller à la ferme, mais c'est bon. En tout cas, pour le chrono d'AO de cette semaine, faut pas avoir un seul accident, sinon c'est mort. Putain, la Briozzo, les gars, je peux plus la blairer. Non, mais à conduire, elle est horrible. Elle tient pas assez bien la route, en fait. Je peux plus la blairer. Non, je prends zéro plaisir à la conduire. C'est une torture, franchement. Ça me fait penser, tu sais, à... Bah ouais, à The Mask, là. Là, il y a des poules ou des cochons, je sais plus. Ah non. Ah bah, j'ai rien. Rien, zéro animaux, rien. C'est peut-être parce que c'est la nuit, je sais pas. Poussez-vous.
Ah, ils sortent le flingue direct juste parce que je les ai bousculés. J'enregistre 2 vidéos par jour en ce moment, donc du coup la deuxième vidéo à chaque fois j'ai moins de... J'ai déjà fait la planque et tout, j'ai déjà tout fait. Mais ouais. Pas des cochons, des vaches ici, non bon. Ouais. Je vais pas commencer à galérer à chercher. C'est con parce que pour 120 000 $, vache, cochon, poule, c'est facile. C'est bon, nous voilà, nous arrivons. On va rappeler la voiture pour l'avoir bien propre pour le chrono. Et objectif 0 accident. Tant qu'il pleut pas, ça va. S'il pleut, c'est la merde. Donc faut profiter. Il pleut pas. 95 000 dans la boîte. Oh, faut que je passe à la boîte absolument. Dans la demi-heure qui arrive, là, faut que je passe à la boîte. Hein. Bon, par contre, si j'arrive pas ce coup-là, j'abandonne pour aujourd'hui le chrono de AO. Let's go. Poussez-vous. Il vaut mieux freiner que tamponner, les gars. Enfin, je me parle à moi-même, là. Il vaut mieux que je freine plutôt que je tamponne un PNJ. Allez, pleine balle. Ça passait large, de chez large en plus, sans accident. Et voilà, j'en étais sûr, je me tape masse de trafic. Surtout pas rouler dans l'herbe, parce que si tu roules sur des buissons, ça te fait perdre le contrôle du véhicule. J'aurais pas dû prendre la Brioso, je regrette mon achat. Franchement, je regrette. J'aurais dû prendre une voiture qui tourne mieux. Attends, ferme ta bouche et concentre-toi. Pas d'accident, frérot, pas d'accident. Pas d'accident. Attention, attention, attention à ceux qui tournent. Là, je suis bien. Là, je suis très bien, là. Attention, il peut tourner, lui, non? Freine, freine, freine. Attention, ici, ça dérape un max. C'est bon, les gars. Yes, c'est dans la poche. Et 252 000 $. Nice. Ça, c'est fait. 1 600 000, on a. Oh, 3... Non, ça... Mais ce banque à 1 million, là. Agence, 2 millions. Ah, la moins chère, elle est à 2 millions, frérot. Oh, il manque encore 400 000 $. Alors, pour vous, 400 000 $, les gars, je sais que c'est rien. Mais pour moi, avec si peu de business, 400 000 $, c'est énorme. Et en plus, le mieux, celle que j'aimerais avoir, c'est soit c'est celle à côté de mon... Mais en fait, je l'aurais pas aujourd'hui, là, j'en suis teuteux, moi. Je l'aurais jamais aujourd'hui, frérot. Est-ce que la Brioso, je peux la vendre, frérot? C'est débile, ça. Oh, faut que je fasse les chronos et tout, oh non. Enfin, faut que je fasse les sauts de Junk Energy, si je la veux. Ah, attends. Ah bah, attends. J'ai des sous dans ma boîte de nuit. Attends, bah, je vais me téléporter, let's go. Changement de session. Let's go. Là, les gars, j'ai au moins 95 000. Donc, je retire les sous. Sinon, je prends l'agence la plus pourrie, quoi. Enfin, la moins bien positionnée, quoi. Faut que je regarde laquelle c'est. Elle coûte 2 millions. Ouais, mais même c'est énorme, frérot. On va se mettre en passif. On va sortir un Gugus. Près de la piste de danse. Nice. Allez, toi, tu dégages. Voilà, plus 10 000 $. Maintenant, on va aller vérifier le stock, les gars. Enfin, les stocks. Est-ce que j'ai eu une unité de coke qui s'est mise dans les stocks? Je sais pas. LR. Vente de biens. Ah, oh, j'ai une unité, donc c'est 27 000. Oh, c'est pas ouf. Ah, pour 100 000, je peux faire une petite vente, ouais. C'est pas ouf, frérot. Vas-y, je vends pour 77 000. Je vends, les gars. Monter dans un véhicule de livraison. Ça me ferait péter les 1 800 000, je pense. Ouais, 1 800 000. Il est cher, le business de l'agence. C'est un truc de dingue. Fouiller la zone et trouver les acheteurs. Ok, est-ce que je vais devoir claquer une orga fantôme? Pourquoi j'ai pas le chemin sur le radar? Enfin, sur la carte, je sais pas. What? Je me fais tirer dessus par qui? J'ai pris des balles. Eh, les gars, faut pas qu'on pète mon fourgon de boîte de nuit, parce que là, c'est moi qui ai ramené les marchandises avec Yuan pour la plupart, à part le truc de coke à 24 000. Donc c'est pourri, les gars, quand t'as que la coke, tu... Ah, mais peut-être que si j'améliore le matériel, ça va augmenter la valeur de la coke dans la boîte, peut-être. Eh, mince. J'ai cru que j'allais mourir, là. J'ai une pointe au cœur, frérot. Là, ouais, il fait pas demi-tour. Ah, il regarde sa carte. Ah, ouais, mais si je claque une orga fantôme, frérot, c'est... Il regarde sa carte, là, oppressor. Est-ce qu'il vient vers moi?
Non, j'ai pas l'impression. Je fais très attention au business que j'achète dans Tsum Tsum Business Class. Parce que là, pour le moment, tous les business que j'ai, j'adore les ventes. Les ventes solo de cocaïne, j'adore. Les ventes de boîtes de nuit, j'adore. Les livraisons de moto, je kiffe. Je veux pas me tromper en achetant l'agence et en achetant un business que je vais laisser mourir. Parce que je vais dire, ouais, c'est trop répétitif, ça me fait chier, j'aime pas. J'aime bien faire des missions de livraison, moi, en fait. Dans des petites camionnettes et tout, ça me plaît beaucoup. Qu'est-ce que je peux faire comme business avec des missions de livraison? Attends, est-ce que j'ai des gens sur mon chemin? Non, ça devrait aller, je devrais pouvoir les esquiver. Bah, il y a les marchandises spéciales. Le problème, c'est que moi, ce que j'aime pas dans les marchandises spéciales, c'est que t'es obligé d'acheter, t'es obligé de payer pour avoir du stock. Et si tu te fais péter ta vente, ben, tu fais du négatif, en fait. T'as perdu de l'argent. T'as pas gagné et t'as perdu. Ah ouais, non, c'est abusé. Pareil pour les véhicules de l'import-export. Non, ça je peux plus, c'est trop long. C'est, tu mets 10 minutes à aller chercher une bagnole, encore 10 minutes 5 minutes à la vendre, t'as des cooldowns de ouf, tu dois payer en plus les améliorations sur la voiture avec tes propres sous. Si tu te la fais péter, tu perds 20 000, c'est horrible. C'est un business à faire en session solo, le cerveau déconnecté. Alors cherchons l'acheteur. Ça doit être une camionnette ou quelque chose. Je fais toutes les rues une par une. Pourquoi t'as pas l'adresse de l'acheteur? C'est bizarre le truc. Ouvrez les yeux les gars, on ouvre les yeux. J'ai rien vu de spécial là pour le moment. Non. Bah, au bout d'un certain temps, t'as Rockstar qui te dit où il est, hein, si tu le trouves pas par toi-même. Et heureusement, parce que sinon ça serait vraiment pétage de câble. Il est pas là, là. Non, là il y a une bagnole là. Surveille mon radar au cas où il y a un individu qui essaye de me défoncer la tronche. Non, je trouve pas les gars. L'avantage de l'agence, c'est que je fais le contrat de Dr. Dre. Ça me fait gagner 2 millions et hop, ça me fait un business en plus et limite gratuit quoi. Ah, il est là. Nice. Quitter la zone. Envoyer le véhicule personnel. On va quitter la zone avec une belle bagnole qu'on va vendre. D'ailleurs, je vais vendre une des deux Jackal. Ouais, ouais, moi j'ai la mémoire courte, j'en ai ramené deux pensant que j'en avais pas déjà une. Et ben je vais vendre celle-là. C'est ma préférée, la noire, mais bon. L'autre c'est pas grave, c'est qu'un coup de peinture. Allez, plus 103 000. Gagner un total de 50 millions ou plus. Ah ouais. Ah, j'aurai pas l'agence ce soir, ça m'emmerde. Attends, sauf si. Attends, je vais vendre la caisse. Et après je vais peut-être taper les animaux. J'ai toujours les sauts de junk energy, mais j'ai vraiment pas envie parce qu'en plus les sauts de junk energy, c'est très long parce que tu dois te déplacer sur tous les spots de la map. Donc autant dire que c'est très long. Tu passes plus de temps à te déplacer d'un point A à un point B qu'à faire les sauts quoi. Limite. Sinon j'ai qu'à vendre la carbonite, allez. Je la rachèterai plus tard à un pote. Celle-là je la vends. Je l'ai prise pour rien. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est pas celle-là que je vais vendre. Je vais vendre la carbonizarée, les gars. Vous savez, j'ai Démonia qui l'a, la carbonizarée. Donc, quand je voudrais la récupérer, je pourrais la récupérer. C'est pas un problème. Gérer les véhicules. On va appeler. Je vais récupérer, j'espère, au moins 100 000 dollars. Allez, la mutuelle. J'ai un véhicule qui est pété. Elle est magnifique, hein. Si j'avais mon garage de collection. Mais j'ai pas mon garage de collection pour le moment. Et puis, j'ai besoin de thunes tout de suite. Attends, mais si je la vends moins de 100 000, je la vends pas. 117 000. C'est pas mal, hein. Cette couleur... De toute façon, cette couleur, elle fait pas business. Je la préfère en rouge, hein, avec du recul. Ouais. Allez, je la vends. Nice. Bon débarras. De toute façon, je savais pas où la foutre pour le moment. Demain, on vendra la Jackal. On appelle la Oracle XS. Vas-y, le tracteur, respecte ma caisse. Et là, il y a une ferme, il y a des vaches et des poules et tout, là. Oh, ils m'ont éclaté la caisse, je viens à peine de l'appeler, quoi, putain. Pour les petites rayures comme ça, si tu veux pas les avoir, le mieux, c'est de mettre le blindage. Mais bon, c'est cher, le blindage, 50 000, c'est pas rien. Allez, il y a toujours des vaches ici, des poules, des cochons, ce que tu veux. Pourquoi il n'y a pas d'animaux, là, qui spawnent? Ah si, il y a des poules. Nice. Allez, la poule, c'est bon. Le cochon, bah je sais qu'il y a des, je sais que par là il y a des cochons. Ah, j'ai entendu le bruit d'une vache. Ah bah il y a des vaches. Oh, comment il est facile mon truc d'animaux aujourd'hui.
Nice. Allez, le jump. Non, éclaté. Éclaté. Bon, je vais la rappeler la voiture là, c'est bon. Moi je conduis pas cette chaussette dégueulasse là. C'est une voiture de luxe, elle est toute éclatée. On dirait Soum-Soum. Comment on dit ? Soum-Soum la casse, je sais pas quoi. Je la rappelle et je conduis propre. Voilà. Propre. Allez, à la recherche du cochon. Après, je réfléchis, l'agence. C'est peut-être un signe si je peux pas me l'acheter maintenant. Parce que l'agence, le contrat de Franklin, j'ai pas de coup de cœur dessus non plus. Enfin, le contrat de Dr. Dre, j'ai pas un coup de cœur. Le golf, c'est chiant. La dernière mission, elle est horrible. La mission sur le bateau, elle est ultra chiante, je trouve. Peut-être m'acheter autre chose. Ouais, ou au pire, je garde mes sous. Parce que la dernière fois que j'ai acheté l'agence, les gars, dans Soum Soum Undercover, les gars, j'ai acheté l'agence et j'ai dit, ouais, de toute façon, elle sera remboursée. Je vais faire le contrat de Dr. Dre. Le contrat de Dr. Dre, je l'ai commencé, je l'ai jamais fini. Hein. Donc, du coup, je l'ai jamais remboursé. Faut trouver des enclos, mais il y a des enclos à cochons dans le coin. Bah oui, je suis près d'un bonus de tueur en série. Allez, un indice. Alors, les cochons. Il n'y a que des plantations, là, il n'y a pas de cochons, frérot. Ah, des vaches. Bah ouais, mais les enclos à cochons, c'est beaucoup plus petit. Des vaches. Et encore des vaches, et des vaches, et que des vaches. Bon, je vais devoir regarder sur Internet. Hein. Dans un enclos au nord-est de Vinwood Hill. T'es sérieux, les cochons, il y en avait là où j'étais tout à l'heure. Là, il y a un enclos à cochons, apparemment. Putain, j'y étais, quoi. Bon, on y retourne. C'est pas grave, c'est un plaisir de conduire cette caisse. Ah, point bleu. Scène de crime. Ah, il y a les scènes de crime aussi à faire. C'est 5 000 $, c'est toujours 5 000 $ de prix. Puis après, ce sera 10 000, je crois. Toi, je te punis. Oh non, je vais mourir. Il est où? C'est sur le toit, la scène de crime? Ah ouais. Bah écoute, c'est toujours la M16 que j'aurai gratuitement. Allez, là, c'est le silencieux. Nice. Plus 5 000 $, nice. Bon, par contre, on meurt derrière, donc... Ah ouais, 3 étoiles direct. Eh ben, les gars, déjà, on a pété les 2 millions, les gars. C'est bien, premier million dans le dernier épisode. 2 millions dans celui-là. C'est ici qu'il y a un enclos à cochon, alors? Mais il n'y a pas d'enclos à cochon ici, mon frérot. Il y a que des poules ici. Putain, c'est quoi ce site que j'ai trouvé? C'est pas le site qui est mauvais, c'est moi qui suis teubé, putain. Sortons de là. Ah, je passe 20 minutes sur un cochon, quoi, c'est... N'abîme pas la caisse, hein. Prendre des raccourcis, mais sans abîmer la caisse. Voilà. Ça, c'était beau, ça. Alors, ici, il y a des enclos à cochons. J'ai du mal à y croire. Hein. Ah oui, là. Ah oui. Oh, les petits cochons sont trop mignons. Les cochons, c'est trop mignon, ma parole. Bon, ça a l'air de puer. Franchement, un cochon... Allez, plus 60 000. Bon, bah ça va être le point le plus important de la vidéo qui arrive, les gars. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Mais merde, j'ai niqué la caisse, là. Ah ouais. Vous pouvez continuer à photographier tous les jours tous les animaux requis par l'office de tourisme pour gagner de l'argent. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Merde, j'ai un avion de chasse au-dessus. Putain, qu'est-ce qu'il fait? C'est qui? Ah, il va mourir. C'est un Redju. Ouais, je crois que je vais devoir attendre, les gars. Attends, je réfléchis. Je me mets sur le bas-côté. Je réfléchis. La meilleure pour moi, ça serait celle-là. 2 145 000. C'est la meilleure pour moi. Pour mes business à moi. Celle-là, elle est pas mal, mais elle est un peu trop loin de ma boîte et tout, tu vois. Enfin, tu me diras, je dis qu'elle est trop loin, frérot, mais... Ouais, elle est à 100 mètres de plus, quoi. Est-ce que je suis feignant au point de... Ouais, mais pour 140...
Pour 135 000 $ de plus, frérot, ça vaut le coup d'avoir le truc plus près, non? Ah, je sais pas, putain, j'ai aucune idée, quoi. J'hésite. Je suis dans l'hésitation la plus totale, bon. En plus, l'agence, ce qui est bien, c'est que j'ai un garage 20 places et je pourrais foutre toutes mes bagnoles de business dedans. Et sinon, je me dis, les gars, sinon, j'ai deux possibilités. Soit je fais le contrat de Dr. Dre en solo hors vidéo, je l'enchaîne comme ça, hop, je relance le prochain épisode, je vous dirai, yo les potes, on est de retour aux 2 millions. Ou soit, de temps en temps, je tape une mission. Soit, de temps en temps, je tape une mission en épisode de Soum Soum. Alors, ça serait bien que je me force quand même. Lui, il veut me faire chier, lui. Désolé frérot, je suis en passif. Alors. Oh les, j'ai failli me péter la gueule. Je dois avoir une moto à custom en plus et à livrer. Donc je devrais pouvoir m'acheter l'agence que je veux. Oh, il a pété ma voiture. Iscorno. Moi oh, je m'en fous, il a payé la mutuelle. Espèce de gros débile. Va. Oh les, je vais un peu trop vite. Oh non, c'est bon, là on peut accélérer. Après, je me dis vraiment d'avoir les contrats plus le coffre, plus le contrat de Dr. Dre, plus le garage. C'est quand même une tuerie d'avoir un garage 20 places en même temps, quoi. Ça m'évite d'acheter une maison, quoi. Où je vais avoir un garage 6 places éclaté. C'est bon. Oh, comment c'est bon, ouais. Ouais, c'est bon. Et nice! Allez, boum, sur le compte bancaire. Plus qu'une livraison de moto. Et on est bon. Vas-y, change de session parce qu'il y a des abrutis dans celle-là. En ligne, option. QG de Vespucci, let's go! Oh, je suis dans une toute petite session, bah ça m'arrange. En toute honnêteté, ça m'arrange. J'ai besoin de calme pour réfléchir. Alors, révision. Allez, 4 joints dans la session. Pour la livrer, ça devrait passer. Ok, j'ai une idée lumineuse. Lol. Je sais plus parler, moi. Ouais, les gars, pour le prochain business que je vais acheter, je vais faire par élimination. Je vais dire ça, je veux pas, ça, pourquoi j'aime pas, ça, j'aime pas, dans ma tête. Et comme ça, ça me permettra de voir ce qui reste comme business. Moi, je vais le faire là. Caio Perico, non, c'est mort, j'ai pas envie d'y retourner, donc pas de sous-marin. Pour le moment, en tout cas, j'ai pas envie d'y retourner. Puis c'est trop facile, 1 million, 1 million, 1 million. C'est pas comme ça que je veux farmer mon argent. Import-export. C'est mort. En plus, tu ramènes que des bas de gamme au début, c'est vraiment la galère. En plus, faut que j'achète une maize bank plus un entrepôt. Ah ouais, non, c'est mort. Nice. Les marchandises spéciales, comme je vous ai déjà dit, on dépense de l'argent pour acheter des caisses qu'on n'est même pas sûr de réussir à vendre. Donc, c'est mort. Le hangar, c'est mort. La méthamphétamine, ça me fait chier parce que... Après, du coup, je vais avoir mes planques qui vont être divisées entre coke et méthamphétamine. C'est ça le problème. Moi, je veux le beurre et l'argent du beurre. Je veux toujours avoir que de la coke, mais en même temps, j'aimerais bien que la boîte de nuit puisse se remplir. Plus. Ah ouais. Allez, je pense que l'agence, c'est le bon délire. En plus, c'est le seul business, je crois, qui permet de rentabiliser. En 1h30, tu rentabilises ton... Tu rentabilises ton achat, quoi. Bon, on va être moche au début, j'aurai pas d'armurerie, pas de logement. Attends, je réfléchis une dernière fois. J'ai un atelier de custom en plus pour avoir des super. Alors attends, j'ai un super garage 20 places. Je débloque plein de trucs. Les contrats, le petit coffre que je peux monter jusqu'à 200 contrats pour 20 000 $ de l'heure. J'ai le contrat de Dr. Dre à 1 million qui est x2 en plus la première fois que tu le fais. Bah, franchement, c'est trop avantageux. Vas-y, j'achète. Sans regret. Vas-y, sans regret. C'est bon, les gars. J'ai acheté l'agence. Donc, c'est mon 4e business. QG de motard, boîte de nuit, coke. 4e business. Et je sais pas s'il y en aura d'autres, des business. On va voir déjà comment s'organise le farm quand on fait comme ça. Allez, on va aller visiter l'agence en chillax. Tout de suite. C'est bien quand même. On avance bien, hein. Dans Soum Soum Business Class. Et je vais pouvoir déménager tous mes véhicules dans le garage de l'agence. Et au moins, j'aurai un vrai garage business class. Ah ouais. Ah, ça vaut grave le coup. Non, je regrette pas mon achat, les gars. C'est la meilleure option. Et puis, pour les contrats téléphoniques, faudra peut-être que je me force à faire les premiers. Peut-être que je vais re-aimer. Je sais pas, on verra. En plus, j'ai bien pris
l'agence, la boîte et la coque, juste à côté. Nice. Bon, on va se manger une petite cinématique, mais... Le plaisir de revoir Franklin. Allez, let's go. Ouais les gars, pour fêter ça, pour fêter l'agence, les gars, on va faire une petite récupération de véhicules spécialistes pour 50 000. Eh les gars, c'est pété, hein. 50 000 la mission, c'est énorme. Hein. Bon, si j'ai pas le... Si j'ai le... Il y a moyen, je rachète la vidéo si j'ai le laboratoire Human. Mais ouais, c'est pété de ouf, j'ai bien fait de l'acheter, j'avais zappé. Ouais, t'as les contrats spécialistes plus à 60 ou 70 000, c'est énorme. 5 minutes la mission, 70 000 dollars, c'est... Ah, j'ai bien fait, ouais. Après, je... Oh là, ils font quoi, les PNJ? Alors, où est-ce qu'il va m'envoyer? Bah, s'il m'envoie... Ah, c'est les laboratoires Human. Ouais, les gars, bah, je... En fait, pour fêter ça, j'ai dit... Ouais, bah, je vais pas la faire. Je vais pas la faire, celle-là, parce... Aujourd'hui je la fais pas, mais les autres jours je la ferai. Mais là j'ai la flemme de me ramener avec le camion à 2 à l'heure là. Il me reste combien? Il me reste 16 000 dollars. Voilà les petits potes, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu, en tout cas moi ça m'a bien plu. Vous verrez, ce sera la surprise dans le prochain épisode. Est-ce que j'aurai déjà fait le contrat de Dr. Dre en enfin hors vidéo ou pas? Je sais pas. Ça dépend de plein de facteurs. Et puis je vous fais la bise les gars. Ouais, moi je bois un verre Vania et surtout n'oubliez pas, le fric c'est chic. Putain, j'ai que 16 000 dollars et je claque 1 000 dollars. Bon, allez, la bise.